Ashura. Ashura, eh bien, c'est le film d'un copain. Copain qui, qui a déjà projeté son premier film ici, Mirage. Zijn eerste film Mirage hebben we hier op het BIF getoond. En ondertussen kwam hij zelf ook films bekijken. Tous les ans, il est là pour venir voir des films. Ce film aussi d'ailleurs était aidé par le BIF Market qu'on organise tous les ans. Dus hij wordt geholpen op onze BIF Market. Ja, ik zal hem gewoon op het podium roepen. Dames en heren, regisseur Talal Selami. Salut, ça va? On s'est raté. J'en fais tout. Ouais. Goed, hij heeft zijn cast meegenomen. Ze speelde in Le Noir, Tu vas si bien, Ta mère, à bras ouverts. Dames en heren, Sophia Manoucha. Le rôle masculin, il avait joué dans Zéro, c'est Younes Bouab. Et sans producteur, pas de film, mais ce sont des productrices. Dans ce cas-ci, c'est Lamia Schreiby et Caroline Piras. Talal, c'est un film de monstre, mais tu n'as pas inventé ton monstre, tu l'as puisé dans la mythologie marocaine. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Ouais, alors en fait, faut savoir que c'est une première expérience pour le Maroc, hein, on n'avait jamais fait de film de monstre avant, et donc l'idée c'était de se dire, ben voilà, on a tout un catalogue de contes et légendes jamais exploités, qu'est-ce qu'on pourrait raconter en fait? Et moi j'avais toujours eu envie de faire un film de monstre, et donc j'ai un peu cherché sur internet, savoir les contes et légendes en fait qui font peur un peu aux gens, et il y a cette créature, en fait, qui est plus un djinn, hein, qui s'appelle Bougatat, et qui est en fait à la base plutôt une créature qui est plus liée au problème de sommeil en fait. Tu sais, ces moments où tu es semi-réveillé comme ça, et t'as l'impression de pas pouvoir bouger, bah voilà, dans les plus croyants, on va dire, attribuent ça à Bougatat, qui s'assoit sur toi et qui a un djinn en fait qui t'empêche d'être réveillé. Un djinn qui s'appelle Boumpatat. Oui. C'est ça, c'est bien. C'est ça, Bougatat. On connaît. Goed. Dus hij heeft zich geïnspireerd van de Marokkaanse mythologie, want hij heeft altijd een monsterfilm willen maken en dacht van oké, we hebben zoveel, zo'n grote mythologie waarin niemand heeft getapt. En ik had er gewoon even op internet gezocht naar een goede monster die angst aanjaagt. En deze is eigenlijk een djinn, noemt Boumpatat. En het gaat over zo het gevoel dat je hebt als je in bed ligt, half in slaap, half niet, en die zo op je longen drukt. Voor mij is dat eigenlijk elke keer als ik hier op het podium sta voor jullie. Dat is waar. Alors, Talal, tu viens de le dire, peut-être pour les productrices, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait un film de monstre au Maroc. Est-ce que du coup, c'est difficile de trouver des investissements, de convaincre les gens du cinéma marocain? Non, juste non en fait. Pas tout de suite. Bon, bah au revoir. Bonsoir. Ça c'est backstage. Bonsoir. Oui, faire un film fantastique, c'était pas une évidence. C'est aussi un budget assez conséquent. C'était une première avec des effets spéciaux et avec une créature. Donc, il fallait un certain nombre un financement particulier et une préparation sur laquelle Caroline a fait un beau travail avec l'équipe qui était sur le projet dès le départ. Quelques années avant de commencer à tourner. En tout cas, ce projet va être, j'espère, une première pour de nombreux autres projets fantastiques qui vont avoir lieu, voilà, au Maroc. Dus inderdaad, niet zo. Het is de eerste keer dat er een monsterfilm wordt gemaakt in Marokko, dus het was een beetje een speciale voorbereiding, maar hopelijk komen er nog meer monsterfilms dankzij deze film. J'imagine que si, du coup, il y a un certain know-how qu'il faut aller chercher ailleurs, hein, une certaine connaissance de maquillage, de monstres, etc. Est-ce que du coup, on forme ces gens ou est-ce qu'on amène des personnes qui ont déjà fait ça à l'étranger, par exemple? Alors, Talal s'est entouré d'une magnifique équipe. Dès le départ, il avait déjà fait son petit casting du meilleur chef opérateur, du meilleur chef décorateur, du meilleur maquilleur, du meilleur SFX. Et on a eu, franchement, on était très contents d'une équipe. Et je vais laisser Caroline parler de cette partie-là, parce que c'est elle qui a participé à ce casting avec Talal.
Non, ouais, c'est vrai que Talal a été assez incroyable là-dessus, parce qu'on a pris des chefs de poste principalement français pour les effets, et il s'est entouré de gens exceptionnels comme Jean-Christophe Spadaccini, comme Marc Thibault. Ouais. Voilà, c'est des grands. Ben non, ben alors si je dois dire Jean-Christophe Spadaccini, c'est les Rivières pourpres, c'est un grand maquilleur, c'est la Cité des Enfants Perdus, c'est c'est un des meilleurs maquilleurs effets spéciaux français. Si je dois parler de Marc Thibault, c'est les films de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Okay. Voilà. Ok, oui, une belle filmo, effectivement, pour ces gens. Alex Thuis aussi, qui a designé la créature. Qui d'autre ? Beaucoup de gens. Les meilleurs, voilà. Donc on a été ravis de bosser avec eux. J'ai aussi une question pour les comédiens. Vous aussi, dans votre filmo, vous n'avez pas encore fait beaucoup de films de genre. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'on prend plaisir à se glisser dans ce genre d'univers, ou ça fait un petit peu, on appréhende un petit peu? Ouais. Pas non, tout de suite. Non. Vas-y. Enfin, moi, vas-y. Bah, c'est un rêve de gosse, en fait. Moi, j'ai eu envie d'être comédien en regardant des films de Stallone, de Schwarzenegger, des trucs comme ça et tout. Donc. Et puis il n'y a pas beaucoup de films de genre au Maroc, il n'y a pas beaucoup de films à effets spéciaux, donc voilà, quand Talal vient avec un truc pareil, tu t'éclates quoi. Tu t'amuses à faire le con, à se foutre à poil, ouais. Et à chanter. Non, pas tout de suite. Chanter. Attendez. On va d'abord écouter Sophia. Ouais. Non mais je vais la faire courte. Moi aussi pareil, c'est un rêve de gosse. Moi je suis devenue actrice pour faire des films de genre. Et ma filmo a commencé que sur du cinéma d'auteur. Et du coup quand Talal m'a parlé du projet, j'ai couru. Mais moi c'est pas les films de Stallone. Moi c'était plus les Freddy, les Scream, Souviens-toi l'été dernier. Courte samenvatting. Non mais voilà, sans être à poil, moi je rêvais en fait vraiment d'avoir une scène où je courais. Et j'étais en train de courir, en train de regarder à gauche et à droite. Sauf que j'avais, dans mon imaginaire, je savais pas qu'on la faisait 40 fois la scène, quoi. Voilà. Voilà, heel, heel kort samengevat, inderdaad. Ze spelen meer in auteursfilms en serieuze drama's. Maar ze zijn wel opgegroeid met de genrefilms of films van Schwarzenegger of Stallone. Het is gewoon leuk om het voor een keer te kunnen doen. Merci beaucoup, on vous retrouve pour le Q&A. Alors, il y a 8 ans, on a eu de la chance, je m'en suis sorti parce que j'étais venu avec un de mes comédiens qui avait sa petite fille de 4 ans, donc j'ai pas chanté. C'est la petite fille de 4 ans qui a chanté et tout le monde était genre « Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne !» Est-ce que quelqu'un a une fille de 4 ans à prêter ? Prêtez-moi une fille. Bon, allez. J'ai pris du classique dans le répertoire. Alors, vous êtes, les métalleux reconnaîtront. Allez, vous êtes prêts ? 1, 2, 3. So close, no matter how far, could be much more from the heart. Forever trusting who you are, and nothing else matters. Bravo, merci beaucoup. Pardon, on vous retrouve au Q&A dans la salle Terrarken, donc près du bar. J'aime beaucoup qu'il a commencé en disant « les métalleux reconnaîtront ». Et quand il a mis son micro, tout... C'est rigolo. Goed, het is een internationale première, wat betekent dat de film alleen maar in Marokko gespeeld heeft. Il a eu l'aide du Bif Market. Il est en compétition européenne. En ik zou graag Orange Studio willen bedanken voor deze film. Bon film, goeie film.